sens qu'il faut devant la cour et sous le préau qu'un cartable un peu trop lourd à mon cou m'enlace sous les trompe-tons. J'apprendrai les couteaux, le nom des étoiles et celui des oiseaux, essuyant tes sanglots auprès d'un prince penché sur ton berceau. Oh, 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 le monde ne tourne pas. Concentre-toi, tu sais, je suis maladroit. T'es dans un verre d'eau, je me noie. Et mon plus bel exploit, on tapette sur ses doigts. J'exaucerai tes prières sur tes caprices et tes grands commentaires. J'effacerai sans colère, sans armistice et sans faire de manière pour ceux qui aiment la mer et sans l'air. Je crains, tu sais, d'être bien en deçà. J'ouvre les meubles à l'envers, surtout quand ils sont sur les doigts. La, 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 le monde ne tourne pas. Concentre-toi, tu sais, je suis maladroit. T'es dans un verre d'eau, je me noie. Mais mon plus bel exploit, quand ta peine sur ses doigts. Je suis maladroit, t'es dans un verre d'eau, je me noie. Et mon plus bel exploit, quand elle t'appelle sur ses doigts. Ah, 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 le monde ne tourne pas. Ah, 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 ressens-toi. Tu sais, je suis maladroit, t'es dans un verre d'eau, je me noie. Et mon plus bel exploit, compte à peine sur ses doigts. Merci, l'entrée en matière est toujours un petit peu difficile et ça dure le temps du set. qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je ne sais pas si vous regardez beaucoup la télévision. Moi, très peu. Pardon, je perds un... C'est pas grave. C'est pas grave. Tu m'étonnes. Non, c'est pas écrit concert très 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 privé. Concert très privé. Et ça suffira pour ce soir, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas si vous regardez souvent la télévision. Moi, en tout cas, très très peu. Mais de temps en temps, je m'arrête sur des émissions comme Capital, Zone Interdite, Envoyé Spécial, Complément d'Enquête, tout ça, tout ça, tout ça. Et il y a des sujets qui sont plus ou moins marquants, choquants, et qui parfois inspirent, et inspirent tellement que ça nous fait écrire de temps en temps des chansons. Et un soir, je suis tombée sur ce reportage qui parlait des gamins qui travaillaient dans des conditions extrêmes. Alors évidemment, il n'y a pas que dans les pays du tiers-monde qu'on trouve des enfants qui travaillent dans ces conditions-là. Il n'y a qu'à aller en Italie. Hein, dans certains coins d'Italie aussi, on voit ces gamins de 5-6 ans qui travaillent dans les rues et autres. Et donc du coup, bah là, en l'occurrence, pour cette chanson-là, on parlait des chiffonniers du Caire. Et ça m'a inspiré cette chanson qui s'appelle « D'ici ».